voici la table qui vous est réservée. Oh là, attention! Attention, on a Vincent qui arrive pour la combattre! Allez, tout le monde en place! Tout le monde en place! Il est en couronne de France, où le bonheur fleurit. Parce que je pense encore un qui se fait des illusions. Eh bien, encore une qui ne sait pas ce qui l'attend. Hein. Pauvre Eva. Elle va tomber pantelante dans les filets de Vincent. Hein. Oh. Pantelante. Ah oui. Avec tous les flirts qu'elle a semés autour du monde, on pourrait lever une armée internationale. Si je comprends bien, c'est une fatale. Je vais prévenir Vincent, je reviens. Vincent. Oh, Vincent. Monsieur Cartoni, une dépêche. Oh, formidable. L'addition. Oui, monsieur. D'autant que nous devons fermer à 19h45. Ah, monsieur Cartoni, je vous les ramène. Les voici. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Pas moyen de rester tranquille 5 minutes, vraiment? Lisez. Pour vos représentations à Mexico, ça y est, c'est dans le sac. Oh, mais c'est merveilleux. Une bonne nouvelle. Oh oui, un contrat magnifique pour jouer notre opérette à Mexico. Vite, Cartoni, prenez le chauffeur. Non, laissez, j'y vais moi-même. Sans tu me perds sans toi. Monsieur Cartoni, l'addition. Bien. Vous en faites une tête, Vincent. Voyons, si vous avez un sentiment pour moi, vous devriez être heureux que je sois contente. Je suis fou de joie. Ça ne se voit pas, mais je vous crois. Ma petite Eva, en route, nous n'avons que le temps. Il nous faut joindre Miguelito pour qu'il envoie son accord. Qui est-ce, ce Miguelito? Oh, c'est mon partenaire dans l'opérette, un chanteur mexicain. Une voix splendide. Et beau garçon, sans doute. Pas mal, enfin. Enfin, le Mexique l'exigeait par contrat condition sine qua non. Je sens que je vais encore passer la nuit à téléphoner et à câbler dans les 5 parties du monde. Au revoir, cher ami.
Venez, Eva. Je vous suis. Allons, allons. Vincent, si vous boudez, je n'irai pas goûter demain dans votre petite maison, comme je vous l'avais promis. Mais ça tient toujours, c'est vrai? Oui, je vous consacrerai ma dernière journée. Alors, à demain. À demain. Alors Vincent, qu'est-ce que tu fais? On t'attend, dépêche-toi. Allez, viens. Avant tout.
vos projets. Des projets, je n'en ai qu'un. Vous le connaissez. Ne plus jamais vous quitter. Oh, non. Enfin, vous savez bien que c'est impossible. Je dois partir demain. Et si j'allais avec vous à Paris? Je pourrais peut-être devenir une vedette, moi aussi. Et qui sait? Votre partenaire. Alors vous, vous ne doutez de rien. Vous avez bien vu, hier soir, j'ai du succès dans les fêtes du pays. Ici je ne dis pas. Mais Paris, c'est autre chose. Autrement dit, vous me prenez pour un pauvre petit paysan, incapable de réussir à Paris, n'est-ce pas? Enfin, tâchez de comprendre. Ah, je comprends très bien. Eva! On dirait la voix de Cartoni. Vous lui avez dit que vous étiez ici? Mais pas du tout. Venez, elle est encore là. Ma chère Eva, devinez qui je vous amène. Oh, Miguelito, mon chou! Que je suis contente de vous voir. C'est une heureuse surprise pour moi, Eva. Qu'est-ce que vous dites de ça? Nous téléphonions partout sans le trouver. Et puis, je tombe sur lui à Biarritz juste quand je sortais de l'hôtel. Oh. Cartoni t'a mis au courant pour notre opérette à Mexico, c'est d'accord, j'espère. En principe. En principe. Oui, c'est pour ça que je vous l'ai amené. Hein. Je savais que je vous trouverais ici. Je ne voudrais pas vous déranger. Je vais peut-être vous laisser causer. Oh non, 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 pardon, je ne vous ai pas présenté. Vincent Etchebar, un camarade du Pays Basque qui me faisait visiter sa charmante petite maison. Miguelito, mon partenaire. J'ai déjà entendu parler de monsieur. Bon, écoutez, nous n'allons pas déranger Vincent plus longtemps. Hein. Cartoni, descendez à la voiture, je vous rejoins tout de suite. Dépêchez-vous. Miguelito repart passer le week-end au Kamchatka. Monsieur. Au revoir. Ne nous faites pas leur dire. Dépêchez-vous, ne faites pas attendre la grande vedette, elle risquerait de vous faire une scène. Enfin, mais quelle idée! Miguelito est un camarade! Et je suppose que ce rendez-vous, c'était une façon de se dire adieu. Enfin, mais qu'est-ce qui vous prend? Ah, Eva, vous êtes bien moquée de moi. Il est vrai que vous avez l'habitude de jouer à la comédie, ça, dans les rôles d'allumeuse, vous êtes parfaite! Oh, mais vous devenez insolent et jaloux par-dessus le marché! Excusez-moi, ce serait ridicule. Tout à fait! Dépêchez-vous, on vous attend. Bon, très bien, comme vous voudrez. Décidément, ces paysans sont inouïs. Inouïs! Paysans, allons venir paysans! D'où sors-tu, toi? Mais de la cuisine où je veillais à l'ombre du fourneau comme ton ange gardien, c'est qu'avec une fatale comme celle-ci, c'était préférable. Hein? Oh, où se flaire maintenant? Non, à la porte, on entend mieux. Maintenant, tu es au courant. Allez, Vincent, il faut montrer à cette gourgandine de quoi tu es capable. Hein? Allons faire les valises. Pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Mais pour aller à Paris et pour que tu deviennes une grande vedette comme ce Caramelito, là. Tu verras, Vincent. Avant 15 jours, tous les directeurs de théâtre t'engageront à la fois. Tu es sûr? Comme je m'appelle Bilou. Ah, bien, tu as raison. Allez, j'en ai marre. Allez, allons chercher les billets. Hop, tu as l'argent? Non, mais toi tu dois en avoir. Oui, pour les billets, et encore, en troisième, une fois sur place, comment vivrons-nous? Ah, nous irons voir le cousin Bidache. Bidache, qui vend des primeurs à Montmartre, tu sais, celui qui a épousé la fille d'Autobiscard, la nièce de Chabalet, la belle-sœur de Chagavia. Oh, mais quand il me verra arriver, moi, son arrière-petit cousin, par la mère de Beru, qui était elle-même cousine de Gracieuse Ibaneta, ma propre mère. Sacré Bilou, tu es vraiment mon seul ami. Et puisque tu es le mien, ça fait qu'on est deux. Et quand on est deux amis, c'est quelque chose. Quand on est deux amis et toujours unis, sur le même chemin, on va pas dans la main. On arrive à bon port et l'on est bien plus grand pour lutter contre les coups du sort. Dans les plus beaux des jours comme dans les beaux jours, l'amitié vaut bien mieux que l'amour. On est toujours d'accord, à la vie, à la mort, quand on est grand, quand on est deux amis. Nous sommes nés dans le même village, le même jour dans la même maison. Nous avons fait depuis notre jeune âge les mêmes pas et le même horizon. Quand nous étions écoliers, chefs et premiers, j'étais dernier. Et plus tard au régiment, j'étais trop violent.
La dernière fois que vous m'avez vu, j'étais encore en maillot. Mais j'ai grandi depuis. Voilà, aujourd'hui, cousin, je suis venu conquérir Paris. Ah, voilà. Mes félicitations. Eh bien, je les accepte, cousin, je les accepte. Mais ce dont j'aurais surtout besoin, c'est d'une petite chambre. Ah, mais je vais te donner l'adresse d'un hôtel. Bon, dites, vous pourriez me donner asile. Encore ? Encore, c'est la première fois que je viens chez vous. Oui, toi peut-être. Ah, puis, une petite chambre suffira, nous ne sommes que deux. Moi et mon ami Vincent, et alors pour la nourriture, on ne sera pas exigeant. Hein. Mais c'est tout ce qu'il te faut ? Eh oui. Ah non, il faudrait aussi un petit peu d'argent de poche. D'argent ? Pour les faux frais, cousin, pour les... De l'argent ? Alors moi, je commence à en avoir assez. Moi, tout ce que je peux t'offrir, c'est le casse-croûte à midi. Si tu me gardes le magasin pendant que je vais au mal. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire, cousin ? Mais qu'est-ce qu'il faudra faire, voilà. Alors, tu prends ce tablier. Voilà. Tablier. Voilà. C'est bien mis. Ça va, cousin, ça va. Et alors là, avec ça, tu sers les clients. Ah bon, mais... Oui, parce que moi, je vais au hall. Bon. Oui, je vais au hall parce que j'étouffe. Oh. Eh bien, le casse-croûte à midi, c'est toujours ça de gagner. Vous n'en faites pas, cousin. Ça va marcher. Oh. Alors, les oranges, les bananes, pour les artichauts. Monsieur Bilache n'est pas là? Non, c'est moi qui le remplace. Vous avez jamais vu? Vous êtes nouveau? Eh bien, forcément, hein. Un nouveau patron est toujours... Et toujours nouveau. Monsieur Bidoche a vendu son fond. Non, mais vous êtes mignonne, vous me plaisez, et je vais... Rien du tout. Alors, voilà, moi, je suis le patron. Voilà, je suis le patron. Et alors, j'arrive du pays pour voir un petit peu comment ça se passe. Ouais. Comment vous appelez-vous? Gré-gré. C'est délicieusement romantique, ça. Ouais, vous bousculez le pot de fleurs. Ah. Quel pot de fleurs? C'est de l'argot. Ah, bon. Moi, je m'appelle Bilou. Bilou. Ah, bah, c'est pas courant, mais c'est gentil, alors. Eh ben, bonjour, Bilou. Bonjour, Bilou. Bon, allez, je filoche, moi, sinon ma tante va m'attraper. Et vous reviendrez demain? Pourquoi?
pour vous faire un petit brin de cour, comme ça. Oh, alors attention, monsieur Bilou, hein. Comme un copain, ça me botte, mais faudrait pas vous faire des idées. Chut, je me demande où et quand j'en trouverai une qui me dira où ça m'énerve. Je me demande comment fait Vincent pour les avoir toutes. Qui c'est ça, Vincent? Vincent? Oh, c'est mon ami. Il est chanteur. Un chanteur? Mais oui. J'adore les artistes, il faudra me le présenter. Moi, étonné. Et tous ceux qui chantent? Oui, c'est il chante, il chante. Il chante, il chante. Il chante de nulle part. Mais avant peu, il gagnera les 100 et les 1000, hein, mais en attendant, on n'a pas le sou, voilà. Et vous m'aviez pas dit que vous étiez le patron? Pour vous impressionner, je vois bien que c'est pas la peine. Ben, en attendant, quand on n'a pas l'argent, faut travailler. Ben, quoi? Ben, vous avez bien un métier. Mais au Pays Basque, on en a des métiers. Oh là là, on chante, on danse, on joue à la pelote, on fait de la contrebande. Hein? Et ça, à Paris, ça marche pas. Ah bon? On chasse la palombe. Et chaque année, on repeint la maison. Ah bah vous savez peindre? Bah oui. Et votre ami aussi? Bien sûr. Mais alors j'ai ce qu'il vous faut. Figurez-vous qu'on est en train de ravaler la façade de l'immeuble où ma tante est concierge. Et je connais le contremaître, il peut rien me refuser. Oh, c'est alors vrai. Et puisque je vous le dis, oh, je vais lui demander maintenant. Vous me serez Bilou à l'enfer. Oh là 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 là, mais quelle chance, quelle chance, quelle chance. Quelle chance. Dis donc, toi qui venais à Paris, qui voulais monter sur les planches, qui voulais conquérir Paris. Et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà quoi? Mais ouais. Cricri, une amie à moi, va parler de nous à un de ses amis et nous allons repeindre la façade d'une maison. Ça pour une chance, mais oui, c'est une chance. Moi qui voulais conquérir Paris, oui. Je vais le dominer. Mais oui. Travailler sur un échafaudage, ce n'est pas toujours très rassurant, mais ça offre aussi des avantages, on le sent une fois un seul instant. Demandez aux gars du bâtiment, ils vous répondront certainement. Quand on voit Paris d'en haut, on se dit qu'il n'est rien de plus faux. Et devant un tel tableau, travailler ce n'est pas du capitale, j'ai trouvé qu'elle avait bien grandi. Puis je suis monté au Sacré-Cœur et là j'ai chanté de tout mon cœur. Quand on voit Paris d'en haut, on se dit qu'il n'est rien de plus beau. C'est comme un divin talent. Descends ou je monte? Oui, moi je me dépêche d'un jour là. Cri, cri.
coucher à cette heure. Si c'est pas malheureux, une fille que j'ai sur les bras depuis qu'elle a eu 2 ans. Eh ben, posez-moi, ça vous reposera. Eh ben, en tout cas, toi, t'es assis resté au lit, hein. Alors, il y a une course à faire pour le locataire du premier. Descends en vitesse, ou alors je vais te secouer les puces, moi, et avec mon balai. Oh. Bah, utilisez de l'insecticide, ça les tue plus vite. C'est qui? Coucou, Clémentine, c'est Bilou. C'est toi, Bilou, mais tu me fais peur. T'es tout seul? Non, Vincent me suit, mais pourquoi je te suffis pas? Non, mais c'est parce que je suis pas encore habillée. Bon, c'est qui? Bonjour, Kiki. C'est Vincent. Qu'est-ce qu'il y a? Je te fais peur? Non, mais c'est que je suis pas assez convenable pour vous. Bon, cri-cri, tu es une chic fille. Et quand je pense à tout ce que tu fais pour nous... Oh bah, vous revaudrez ça quand vous serez arrivés. Oui, ben en attendant d'être arrivés, on est plutôt mal partis, hein. Ouais, Madame Bormin veut nous faire congédier par le contremaître. Bravo! Vous n'êtes pas fait pour être peintre, vous êtes fait pour être chanteur avec le diamant que vous avez dans le gosier. Ouais, c'est ce que je me suis dit quand je suis monté à Paris. Qu'elle verrait que le petit paysan peut devenir une grande vedette. Qui ça, elle? Une fatale tartignole qui nous a traités comme de la bibine. Oh. Voilà. Ah, je commence à penser qu'elle avait peut-être raison. Et que je devrais retourner au Pays Basque. Oh ben non. Oh ben c'est pas chic ce que vous dites là, monsieur Vincent, parce que moi, justement, je vous prépare une surprise, alors. Surprise? Laquelle? Eh bien, figurez-vous que demain, samedi soir, le chanteur Vincent Echebar fera ses débuts au Moulin de la Galette. Moi? Lui? Mais hier, pendant que je vendais mes fleurs, j'ai entendu qu'on organisait un grand concours amateur, alors j'ai pas hésité, je vous ai inscrit. Mais y'a rien. Ce qu'il faut, c'est qu'on vous entende. Là-bas, on vous entendra, et quand on vous aura entendu... Mais on nous engagera à prix d'or, c'est couru. Oh, toi, je sais pas, mais si... lui. Oh, alors, qu'est-ce que vous en dites de mon idée? Oh, mais Kiki, mais j'en dis que tu es formidable. Et c'est normal, là, entre amis. C'est vrai que... tous les deux, on est deux amis. Ben, tous les deux et moi alors. À trois. Avec toi. Quand on est trois amis et que toujours unis, sur le même chemin, on va main dans la main. On arrive à bon port, mais on est bien plus fort pour les découvrir. Territoires indiens a repris la lutte contre le président
Madero, oui. Ah, il paraît que c'est un féroce, celui-là. Ouh, le plus féroce de tous les Indiens. Tenez, à chaque fois qu'il fait des prisonniers, bah c'est affreux. Allez, demandez l'intransigeant, le seul unique, l'intransigeant. Eh, monsieur, il est encore poli, lui. Ah, vous voici enfin. Bonsoir, Pablo. Vous craignez que vous ayez mal compris notre rendez-vous. Au moulin de la galette. J'avoue que ça m'a paru bizarre. Nous ne pouvions pas nous rencontrer dans les établissements que vous fréquentiez habituellement. Chez vous, c'est un perpétuel défilé d'artistes, d'impresario. Quelle drôle d'idée vous avez eue de jouer les ténors. Connaissez-vous un meilleur moyen pour dérouter les agents de Zapata que d'afficher ma fausse identité à la façade d'un grand théâtre? Votre mission sera-t-elle bientôt accomplie? Elle est. Le président du Conseil français accordera dès ce soir la reconnaissance de droit au gouvernement Madero. Bravo! Zapata est devancé, mais craignez sa vengeance! Il ne pardonnera jamais à l'agent secret X-22 d'avoir été depuis un an la cause de tous ses échecs. Comment saurait-il que l'agent X-22 et Miguelito ne font qu'un? Il le sait. Vous dites? C'est ce qui a provoqué notre rendez-vous. Entrons, nous serons moins remarqués. Est un piège de Zapata pour vous avoir à sa merci. Un plan à la fois enfantin et bien compliqué. Zapata est un Indien, ne l'oubliez pas. Il veut vous tenir entre ses griffes, choisir votre supplice, y assister. Charmante perspective. J'espère que vous n'allez pas partir. Ah, ce n'est pas tellement le danger que je redoute, mais
Ruse pour ruse, j'aimerais trouver un moyen qui me permette de tromper Zapata et de poursuivre mon activité. Lequel? Je cherche. Vous avez déjà entendu 14 concurrents. Voici le dernier candidat, le numéro 15, le ténor Vincent Etchebar. Il était une fois une fille de roi, qu'un plein de tristesse. Enfermée nuit et jour au sommet d'une tour, elle pleurait toujours. Un jour prenant son vol, un gentil rossignol vint dire à la princesse: je t'apporte espoir et c'est pour le voir qu'elle chantait le soir. Rossignol, rossignol de mes amours, dès que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Et de poursuivre votre activité politique. À n'importe quel prix. Et c'est pourquoi j'ai l'impression que Miguelito ira à Mexico. Vous n'allez pas vous jeter dans la gueule du loup. Je n'ai pas dit que j'irai, j'ai dit Miguelito ira à Mexico. Je ne comprends pas. Je vais vous expliquer, venez. Où ça? Dans les coulisses. Le ténor Vincent Etchebar remporte le premier prix. Vite, 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 vite. Oh,
Mesdames les journalistes, je regrette, Monsieur Miguelito n'est pas encore arrivé. Nous voulions l'interviewer avant son départ pour Mexico. Miguelito, toujours des articles sur les vedettes. Vous ne parlez jamais de l'impresario. Pourtant, dans une affaire théâtrale, l'essentiel, c'est l'impresario. Oh, c'est entendu, mais nous voudrions bien tout de même voir votre ténor. Eh bien, allez, attendre sur le quai. Calmez-vous, une crise de nerfs n'arrangerait rien. Oui, mais enfin, le bateau va partir. Bonjour, Eva. Quelque chose. Je vous cherchais. Oh. Et moi donc. Pourquoi n'êtes-vous pas en costume de voyage? Pour la bonne raison que je ne pars pas, je suis malade. Calme-moi du monde. Si vous ne me croyez pas, j'ai ici une collection de certificats médicaux, ils sont irréfutables. Le climat du Mexique m'est formellement interdit. Ça y est, le bateau s'en va. Et non, pas encore. Monsieur, je vous préviens, si vous ne tenez pas vos engagements, je vous poursuivrai, je vous saisirai, je vous ruinerai. Oh, calmez-vous, Cartoni, je vous amène en remplaçant. Remplaçant? C'est de la démence. Je me suis engagé à présenter Miguelito. Il chantera sous mon nom, je le lui cède volontiers. Mais enfin, vous devez être connu là-bas. Non, pas du tout. Je suis venu très jeune en Europe et c'est avec vous que j'ai débuté. Et votre remplaçant, il connaît le rôle? Vous répéterez à bord. Vous n'oubliez que le principal, son passeport. Je lui en ai procuré un parfaitement en règle au nom de Miguelito. Et où l'avez-vous pris? J'ai mes petites entrées au consulat. Il me tient! Les décors, les costumes sont embarqués. Alors, vous acceptez? Par force. Et comment est-il, votre Miguelito? Je le connais? Je crois bien. Ah, d'ailleurs, le voici. Mademoiselle Eva Marshall, Monsieur Cartoni, Monsieur Miguelito. Mais c'est de la fantasmagorie! Vous, c'est vous! Oh, je crois rêver! Le jeune loup ne s'est pas tellement cassé les dents. Bon, viens, moi je vais à bord. Vous me trouverez au bar. Bon voyage! Sans rancune, Cartoni. Bonne chance, Miguelito. Il ne faut jamais dire ça. Ne soyez pas superstitieux. Que voulez-vous qu'il vous arrive? Au revoir. Dépêche-toi, viens. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Cri-cri et Bilou, oui. Mon habilleuse et mon maquilleur. Votre habilleuse et votre maquilleur? Mais vous y pensez pas. Vite, Vincent, montez à bord. Moi, je retiens les journalistes. Bah, et nous alors? Et vous suivez-le. Impossible. Laryngite aiguë, Monsieur Miguelito ne peut pas parler. Nous allons prendre le bateau et nous arriverons bientôt. Oh, oh, à Mexico. Quand nous débarquerons là-bas, tout le pays nous attendra. Ah, ah, nous fêtera. Parlez un peu de l'opérette, de sa vedette. Dites un mot. Oui, mais surtout dans vos journaux, n'oubliez pas de mettre en haut. Oh, oh, impresario. Vous allez prendre le bateau et vous arriverez bientôt. Oh, oh, à Mexico. Quand vous débarquerez là-bas, tout le pays vous attendra. Ah, ah, vous fêtera. Nous arriverons bientôt. Oh, 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 oh
des madrilènes qui vont aux arènes pour les toreros. Mais tant que les Norvégiennes filles du Nord le sens, et bien que les Américaines soient les souveraines, au monde nouveau, on oublie tout. Sous le beau ciel de Mexico, vous avez un jour la peine de devoir prendre le bateau. Allez goûter une semaine de l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Chaque jour, Mexico, Mexico. Tes femmes sont ardentes et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Sous le ciel de Mexico, ça dure à peine une semaine, mais quelle semaine et quel crescendo. Demi soir, on se promène dans un tendre boléro. Puis le deuxième, on se déchaîne, plus rien ne nous freine, on part au galop, on oublie tout. Sous le beau ciel de Mexico, vous entraîne, dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine de l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Chaque jour, Mexico, Mexico. See you.
Cette plage d'Acapulco est un vrai paradis. Après un mois de représentation triomphale à Mexico, je vous devais bien ça. D'ailleurs, quand retournons-nous à Mexico ? Demain matin. Je vous ai retenu une voiture automobile et un guide. Ce sera beaucoup plus confortable que le train. Oui, mais aussi beaucoup plus dangereux. Non, il n'y a aucun danger. Je vous ai choisi un guide sûr, connu dans le pays, et qui répondra de vous sur sa vie. Ce n'est pas sa vie qui m'intéresse, c'est la mienne. Nawak, approche. Tu partiras avec la señorita Marshall, el señor Carton et le señor Miguelito. Je compte sur toi pour leur faire connaître les beautés de notre pays. Surtout, n'oublie pas la passe glaciale. Hein? À demain matin. Si, señor, si. Bon, il faudrait prévenir Miguelito. Et... Bon, allez, venez, Cartoni. Je vous en prie, señorita. Ne me remerciez pas d'avance. Souviens-toi, vous ferez halte à l'auberge d'Arthur. Il faudra y passer la nuit. La colonelle Tornada viendra avec sa légion de la mort donner ses instructions. Ensuite, tu retourneras au quartier général. Allez, fais ton devoir. Compte tu es sur moi. Les ordres seront exécutés. Adios. Adios. Seigneur Aguirre. Oh, Seigneur Cartoni, vous avez trouvé votre ténor? J'ai laissé Evan chercher toute seule. Seigneur Aguirre, vous affirmez que Zapata n'est pas le type sanguinaire que l'on m'a dépeint. Le général Zapata n'est pas un bandit. C'est l'illustre libérateur des Indiens du Mexique. J'aime mieux ça. Ah, ami Cartoni, bonjour. Vous tombez bien, nous partons demain à 5h en voiture. Mais nous serons prêts. Quand je dis nous partons, j'entends Eva, Miguelito et moi. Bah et nous alors, pour le pont du Mar ? Avec le guide et le chauffeur, la voiture est complète. Vous prendrez le train. Et puis assez de sottises, hein. D'ailleurs, je vais voir si Eva a pu mettre la main sur Miguelito. Pourquoi, elle est toujours après lui ? Ça vous dérange ? Non, ça m'énerve. Parfaitement, ça m'énerve. Bah, doucement, Cricri, doucement. Je t'ai déjà vu en colère une fois, je me suis rendu compte de ce que ça pouvait donner. Bah, c'est ce qui nous a permis de devenir copains. Tu le regrettes ? Non, non. Non, mais j'aurais préféré devenir ton amoureux. Oh, Bilou, ne recommence pas. Ben, en te voyant devenir si coquette comme ça, je m'étais fait des idées, voilà. Coquette, moi ? Et pour qui serais-je devenue coquette ? Ah, évidemment. Si ce n'est pas pour moi, c'est pour Vincent. Non, non, mais ça va, j'ai l'habitude. C'est... Mais tu crois vraiment que je suis comme Eva ? Qu'est-ce qu'elle a, Eva ? Qu'est-ce qu'elle a, Eva ? Mais depuis qu'on est parti, elle arrête pas de le suivre comme ça. Et bonjour, monsieur Vincent. Et comment ça va ce matin, monsieur Vincent, avec des yeux de poisson bouilli et un sourire en sortie d'œuf ? Mais qu'est-ce que ça peut te faire ? Mais rien, rien ! Mais ça m'énerve. Parfaitement, ça m'énerve. Quand est-ce que j'en énerverai une, moi ? Regardez, Eva. Regardez comme c'est beau. J'ai passé ici une semaine merveilleuse. Je n'en doute pas. Entourée comme vous l'étiez. On trouve des jolies filles partout. Mais ici, la nature est plus belle qu'ailleurs. Oh, poète. Peut-être. Mais plus guère sentimentale. Et pourtant, Vincent... Miguelito. Je l'ai fait exprès pour essayer de vous rappeler notre première rencontre à Saint-Jean-de-Luz. Vous vous souvenez ? Je me souviens surtout de la dernière où j'ai été si joliment remis à ma place. Ah, c'est donc de cela que vous me gardez rancune. Non, pas du tout. Mais au fond, vous aviez raison. Le grand amour, c'est démodé. L'aventure a tellement plus de charme. Oh, moi, je m'en suis lassée. Moi, j'ai pris goût. Je vous en ai voulu. Longtemps. Mais c'est fini. Oui. Oui, c'est bien fini. Et c'est pourtant... bien dommage. Oh, mais où vas-tu ? Où vas-tu ? Mais qu'est-ce que tu as vu ? Une vipère. Ah ! Où ça, une vipère ? Où ça ? Non, c'est rien. C'est dans ma tête. Dis-moi ce que tu as. Rien. Dis-moi ce que tu as. Oh, mais ne masticote pas.
avant, sinon je me mets en boule. Eh bien, mets-toi en boule, mais dis-moi ce que tu as. Je suis endolorie dans mon amour propre, voilà. Être obligée de prendre le train alors que les autres iront en auto. Mais c'est pour ça que tu fais cette tête-là, mais tu ne pouvais pas dire tout de suite. Parce que ça arrangera. Mais ça arrangera tout. Allez, viens avec moi chez le maréchal Ferrand. Tu vas acheter 2 chevaux ? Non ! 40 ! Une Léon Bollée de 1897, 4500 francs. Mais t'es fou ? Mais non, puisque j'ai l'argent. Tu verras que avec ce bolide, nous arriverons avant eux. Ah, je voulais pas que ma petite cré-cré, que ma petite copine ait de la peine. Ah, tu as entendu, j'ai dit ma petite copine. Mon petit bilou. Allez, viens, je t'embrasse. Bravo ! Bravo ! Vous étiez là ? J'en ai assez bu pour te faire mes compliments et adresser toutes mes félicitations à Bilou. Ah non, non, non. Oh, non, ne fais non, pas le modeste, Bilou. Cricri est devenue une jolie jeune femme. Oui. Et je suis sûr qu'elle te rendra très heureux. Oui, non, certainement, mais c'est pas ça. Sacré Bilou. Et sacré Cricri. Alors c'est donc pour lui que tu devenais si séduisant depuis quelques temps. Oh, mais vous laissez-moi ! Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est émue ? Non. Plutôt qu'elle est énervée. Seigneur Miguelito, est-ce bien vrai? Vous partez? Oui, demain. Mais je n'oublierai jamais Acapulco. Je me souviendrai d'Acapulco. Et j'entendrai comme un écho cette musique. Et sous d'autres cieux, un du paradis que l'on trouve ici. Je regretterai la volupté, l'enchantement, les nuits d'été. Acapulco.
la panne. Oh, puis moi j'ai soif. Ouais, tu peux toujours boire l'eau du radiateur. Ah, voilà, elle est bouillante. Oh, puis j'aurais dû piquer une ronflette dans la limousine, tiens. Ouais, mais en attendant, c'est plutôt la limousine qui pique une ronflette. T'es drôle, toi. Oh, 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 dis donc, c'est tout de même pas de ma faute, on est en panne, non? Ah, bah, c'est pas de la mienne non plus. Oh, aïe, aïe. Oh. Il passerait pas une bagnole? On est pourtant sur la grande route de Mexico. Non. Comment? Non. Pour me payer le luxe d'arriver avant Vincent, j'ai voulu prendre un raccourci. T'as voulu prendre un raccourci? Oui. Ah ben ça c'est le bouquet. Oui. Alors attends, donc t'as pris un raccourci, mais c'est pas grave, tu sais où mène ton raccourci? Non. Non. Alors est-ce qu'au moins t'as une carte? Oh, il n'est pas dessus, raccourci. Alors attends. La voiture est en panne. Ah oui, ah oui, vous savez. On n'a pas de carte. Non. T'as pris un raccourci. Oui. Mais tu sais pas où il mène, alors ah, on est complètement paumé. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut savoir ce que tu sais dans la vie? Oui. Oui, je sais pourquoi tu as un caractère de bulldog. C'est à cause de Vincent. De Vincent? Parfaitement, de Vincent. Parce que tu te dis qu'en ce moment, il est sur une autre route avec Mademoiselle Eva et qu'il lui dit des petites choses gentilles. Et que tu aimerais bien que ce soit toi qui les dises, ces petites choses gentilles. Tu entends, toi? Tu entends? Et ça, t'as entendu? Ah non, mais je l'ai senti. Oh. Je suis désolée, mon petit Bilou, c'est... C'est ma menotte, elle est partie toute seule. Dommage que ce soit pas la bagnole. N'empêche que pour Vincent, je ne me suis pas trompé à vous. J'avouerai si tu me jures de jamais lui répéter. Bon, 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 je te le jure. Alors, c'est vrai? Tu l'aimes? Mais je sais pas, moi. C'est tout nouveau, tout ça, pour moi. Je m'étais figuré que ça m'arriverait jamais. Et crac! Je me sens toute retournée. C'est peut-être l'amour, ou peut-être pas. Mais... ça me fait quelque chose. Quand il me prend gentiment par la main, ça me fait quelque chose. Quand il me dit, toi, t'es mon meilleur copain, ça me fait quelque chose. Quand il est là, même s'il ne dit rien, ça me fait quelque chose. Mais si tu crois qu'il me fait chavirer, là, tu me fais marrer. Quand tous les soirs sur la scène il paraît, ça me fait quelque chose. Dans ses chansons, quand il a du succès, ça me fait quelque chose. Toutes les femmes lui envoient des bouquets, ça me fait quelque chose. Mais si elle croit qu'il va les adorer, là, ça me fait marrer. Ça me fait marrer.
un jour. Ça me fait quelque chose. C'est une autre qui aura son amour. Ça me fait quelque chose. Et qu'à jamais faudra nous séparer. Là, ça me fait pleurer. Bon, allez, non, hein. On va pas rester là jusqu'à la Saint-Glinglin. Et je me rappellerai, moi, de ton vieux taco. Oh, vieux taco, elle a gagné le Paris-Deauville en 1897. Mais bah, elle aurait même fait de gagner Mexico, et maintenant. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben, y a plus qu'à aller à Mexico, à pied. À pied? Oui. Allez. Ah! Alors là, ça! Hop là! Oh. Allez! Combien sont-ils? Trois. Une jeune femme, un homme brun et un petit vieux. Berk. Quand ils descendront, fais-leur boire du tequila. Plusieurs azades. La dernière, celle que tu leur offriras, contiendra cette poudre du sommeil. Tu la mettras toi-même dans les verres. Double dose à l'homme brun. Ce que dit Tornada sera fait. Sinon, tu sais ce qui t'attend. Sois tranquille. Tiens, voilà tes 20 pesos. Zapata paye d'avance. Si tu trahis, il tue. Buenos días. Buenos días. On se lève tôt dans notre auberge. Oui, les gens du pays sont matinaux. L'après-midi, ils font la sieste. Hachi, amène-nous tout de suite notre guide et notre chauffeur. C'est que vous ne pouvez pas partir. Le guide et le chauffeur sont partis avec la voiture automobile pour voir si la route est praticable. Les voici. C'est pas possible. Mais la preuve. D'où sortez-vous? Vous deviez prendre le train. Eh ben, Milou a préféré acheter une voiture de course, mais les chevaux se sont démenés du capot. Et nous avons dû terminer à pied. Mais on savait que vous deviez vous arrêter dans cette posada, alors. On a marché toute la nuit, et moi je suis mourante. Moi je suis crevé. Allez, venez prendre un petit remontant. Justement, c'est l'heure de boire le tequila. Justement, tout le monde vient pour ça. Tequila.
señorita, permettez-moi de vous offrir le tequila du patron. Je crois que Zapata sera content. Mucho caliente. Zapata n'en a demandé qu'un. Toi qui toi. Et toi, va-t'en. Celui-là, c'est pour mon usage personnel. Nous sommes arrivés. Le quartier général de Zapata est là-bas. À peine à 15 petits kilomètres. Vous n'avez que suivre le sentier pour arriver jusqu'au poste de garde. Et vous êtes certain que c'est là-bas qu'on a emmené nos amis? Je vous le jure. Mais enfin, ce général Zapata est certainement quelqu'un de très bien. Je suis sûre que si je lui dis « Général, vos hommes ont enlevé par erreur un de nos amis », il nous le rendra tout de suite. Allez, conduis-nous. Non, non, j'ai trop peur des Indiens. Si les hommes de Zapata me découvrent sur son territoire avec des hommes blancs, ça serait terrible. Pas plus terrible que la mort tout de même. On voit bien que vous ne connaissez pas le maguey. Et qu'est-ce que c'est? Un affreux supplice. Un arbre pointu comme du fer. Que les hommes de Zapata vous attachent le ventre sur la pointe. Et que le maguey, il pousse de 30 cm pendant la nuit. Et après, il vous laisse sécher comme ça au soleil. Mais c'est épouvantable! C'est terrible, terrible! Mais ben moi, je m'en moque. Pardon, pardon, permettez. Et tu crois qu'ils oseraient traiter ainsi un homme blanc? Surtout un homme blanc. Je commence à me demander s'il ne serait pas plus sage de ne pas insister. Je le crois. Attendez, vous ne voulez pas dire que... Mais je n'ai pas envie de me faire percer le nombril. Je n'ai que celui-là. Oui, Cartoni a raison. Toute réflexion faite, j'estime que nous devrions regagner une ville mexicaine et nous adresser aux autorités régulières. Si, si, señora, si. Des froussards, vous entendez? Vous êtes que des pétochards. Eh bien, allez-y. Allez mettre vos carcasses à l'abri, là. J'ai pas besoin de vous. Mais vous perdez la tête. Oh, mais vous, rassurez-vous. Si j'arrive à temps, je ne dirai pas à Vincent que vous avez eu la trouille. Comme ça, vous pourrez encore lui faire croire que vous l'aimez. Il pourra encore s'y laisser prendre. C'est de la folie! Je ne vois vraiment pas l'intérêt de cette discussion. Surtout qu'en criant comme ça, vous allez attirer les Indiens! Mais alors, venez de nous brûler, viens! Ah non, officier! Eh ben, j'y vais toute seule! Comme ça, ils verront! Ils verront qu'une petite parigote n'abandonne pas ce qu'elle aime! Bravo! Si elle n'y avait pas été, j'y aurais été moi-même! Je suis sauvé! Je suis sauvé! Je suis sauvé! Cartoni, Cartoni, qu'es-tu venu faire loin de ton beau pays? Ah, voilà mon accent qui me reprend. J'ai fait trois fois le tour du monde. J'ai visité Honolulu. J'ai vu Pékin et Trébizonde. Et j'en suis toujours revenu. Mais au milieu de ces sauvages, qui sont même pas civilisés,
Je crois que malgré mon courage, je vais finir martyrisé. Cartoni, Cartoni, dans ce vilain pays. Cartoni, Cartoni, c'est la pluie d'ennemis. Cartoni, Cartoni, tu vas mourir ici. Cartoni, Cartoni, pour toi es-tu parti. Cartoni, Cartoni, si loin de l'Italie. Je pouvais vivre bien tranquille jusqu'à 100 ans, et puis voici que j'ai pris comme un imbécile mon billet pour le paradis. C'est tout de même bien dommage, et c'est vraiment beaucoup trop tôt de mourir à la fleur de l'âge quand on est encore jeune et beau. Cartoni, Cartoni, ce soir à Napoli. Cartoni, Cartoni, on joue du Rossini. Cartoni, Cartoni, et l'envoi du Chianti. Cartoni, Cartoni, mais pour moi c'est fini. Cartoni, Cartoni, pauvre Cartoni. Et je l'ai mis Guarimba, Guarimba, Guarimba.
Guerreros, mes frères, une nouvelle bataille se présente contre l'infâme Madero, que je veux renverser. Ouais. Une bataille dont dépendra la liberté indienne. Ouais. Je compte sur votre bravoure. Ouais. Comptez sur moi pour vous conduire à la victoire. Ouais. À toi exécuter les ordres. L'homme est ici. Il me tarde de le voir. J'ai le droit, mon retiendront en chimie comme un malfaiteur. Oui, votre chef. C'est moi, tu le sais bien. Qui êtes-vous? Le général Zapata. Veux-tu nous faire croire que tu l'ignores? J'exige d'être remis immédiatement en liberté. Tu mens. Tu es Miguelito, l'agent X-22 qui fait tant de mal à notre pays. C'est faux, vous vous trompez. Zapata ne se trompe jamais. J'ai longtemps attendu l'heure de la vengeance. Elle est enfin venue. C'est un horrible malentendu. Vous vous trompez, laissez-moi vous expliquer. Malgré les souffrances que t'ont fait endurer les hommes, tu as refusé de livrer les secrets de ton chef. Je ne sais rien. Ce n'est pas moi. Je te hais parce que tu es mon ennemi. Mais tu es brave. Tu auras une mort noble. Tout m'est égal à présent. Laissez-moi passer. Je n'ai pas le général Zapata. Mais c'est qui? Passons. Qui es-tu? Que veux-tu? Je n'ai pas le général Zapata. Tu appelles cet homme de nom qui prétend être le sien. Mais j'ai la preuve qu'il est Miguelito. Et comme tel, il doit mourir. Non, ce n'est pas lui, je le jure. Enlevez cette fille et finissez-en. Non, passons. Ils sont armés et dangereux. On nous a trahis. Lui, sans doute. Non. Sa fin serait trop douce. Tu vois, je te laisse libre. À la nuit, la mort viendra te surprendre. Une mort horrible à laquelle rien ne pourra te soustraire. Allons. Ne prenez pas les choses au tragique, ça ne vous va pas.
Mais j'y pense. Miguelito, le vrai, sera peut-être un jour le président de la République mexicaine. Ça ne vous dirait rien d'être la présidente? Ça y est, Vincent et Bilou sont sauvés. Oh, merci Miguelito. Eva, vous ne pouvez pas savoir combien je suis heureux d'avoir été auprès de Madeiro lorsque vous êtes venu le supplier d'intervenir. Oui, et où sont-ils? Ils me suivent. Oh, je préfère ne pas les voir tout de suite. Venez, Cartoni. C'est bon, je viens. Mais il me semble que nous avions droit à quelques petits remerciements. Je suppose que vous ne pourrez jamais me pardonner, mais j'avais une excuse, mon pays, ma patrie. Je comprends. Et je ne me souviens plus que d'une chose, c'est que vous m'avez sauvé la vie. Merci. À bientôt, Miguelito. Mon véritable nom est Alfredo Robles. Bien qu'il ait échappé à Zapata, l'agent X-22 est mort. Adios. Je peux venir? Bah oui, à Badoul. À Badoul, voilà, les petits mots gentils qu'on me réserve à moi. Tout finit bien. Tu vas bientôt pouvoir te marier avec Cricri. Tu es vraiment aveugle. Et si tu n'avais pas été aveugle, tu te serais aperçu que c'est toi qu'elle aime. Bilou! C'est vrai ce qu'il dit? Bon, eh ben écoutez, voilà. Écoutez, mariez-vous, soyez heureux, ayez beaucoup d'enfants et invitez-moi au baptême. Bah, Cricri, pourquoi voulais-tu empêcher Bilou de parler? C'est pas parce que j'ai des sentiments idiots qu'il faut forcément le crier sur les toits. Mes sentiments idiots? Alors je dois être un idiot moi aussi. Puisque vois-tu, quand je pensais que tout était fini, la seule à qui j'ai pensé, tu m'entends, la seule, c'était toi. Oh mais c'est impossible. Maintenant, vous êtes une vedette. Eh bien justement, je vais avoir besoin d'une partenaire. Voudrais-tu être la partenaire de ma vie? Oh Vincent. Vincent. Qu'est-ce qu'il y a, Cricri? Ça ne te fait pas plaisir? Oh si, si, c'est que je sais plus où j'en suis. Quelque chose. Quand tu me dis des mots tendres à mi-voix, ça me fait quelque chose. Et que je comprends que ton cœur est pour moi, ça me fait quelque chose. Et que c'est vrai qu'on va toujours s'aimer. Signore.
chaque jour. Au Mexico. Mexico, Mexico. Mexico, Mexico.